Des collégiens drômois aux Jeux Paralympiques. Oui, des élèves de 3e du collège de Saint-Sorlin en Valoir sont à Paris pour 2 jours. Ils sont arrivés hier et pour assister à plusieurs épreuves. Le point d'orgue d'un projet pédagogique mis en place l'an dernier, Alexandre Berthaud. Oui, à l'initiative l'année dernière, l'ancienne CPE du collège qui est la cousine du médaillé paralympique de natation Hugo Didier. Avec plusieurs professeurs et des personnels du collège, elle monte un projet autour du handicap et du sport. Dans différentes matières, on travaille autour de ce voyage aux Jeux Paralympiques de Paris. Ça tombe bien, dans un an, il y a les Jeux Paralympiques à Paris. D'ailleurs, on compte bien y aller. Ça serait sympa de voir les sportifs de haut niveau en vrai, mais pour ça, on a besoin d'argent. De notre côté, on va monter des actions. Pour avoir des places gratuites aux Jeux Paralympiques. Mais ça ne suffira pas, on a besoin de vous. Si notre projet vous plaît, cliquez sur la trousse à projet. Toi, le laguette, qui participe aux Jeux Paralympiques, on te dédie cette musique. Tu n'as qu'une véritable obsession, vouloir gagner la compétition. Handicapé ou pas, la médaille tu l'auras. Alors, tous ensemble, faisons la fête et vivons pleinement cette belle compète. On vous soutient à tous, un par un. On vous soutient à tous, main dans la main. Peu importe votre situation, vous entendrez quand même notre joli son. Une parole, un mot.
messieurs. On est tous là pour vous motiver. On est tous là pour vous voir gagner. On vous soutiendra tous, un par un. On vous soutiendra tous, main dans la main. Peu importe votre situation, vous entendrez quand même notre joli son. Vanessa Clément-Lacroix, avec l'équipe pédagogique, elle a mobilisé des mécènes afin de financer ce voyage, et donc là, elle profite. Ça m'enrichit, toute cette sensibilisation, j'ai appris beaucoup de choses. On s'amuse beaucoup tout en travaillant. Avec les élèves, c'est aussi une chance de partir avec eux à Paris, et on partage avec eux un moment unique. On ira beaucoup le lacet et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne les amis, les plus grands conseils de l'heure. Les mains dans les mains, restons face à face. Amis, que sous le coup de nos bras passent. Les éternels regards, l'onde silence. Vienne la nuit, sa meilleure. Les ours en conseil de l'heure. Tu as de l'envie, t'as du courage. Alors montre-nous à quel point. Tu veux voir ton drapeau s'élever. Il va falloir à tout prix le surpasser. Tu as tellement longtemps travaillé pour enfin atteindre le succès. On vous soutiendra tous, un par un. On vous soutiendra tous, main dans la main. Peu importe votre situation, vous entendrez quand même notre joli son. Bastien est un élève, il en prend plein les yeux, il a vu du tennis fauteuil hier, il va voir du volley fauteuil aujourd'hui, et en un peu plus d'un an, il dit qu'il a appris plein de choses sur le handicap. Ils arrivent avec des handicaps à faire aussi bien que des personnes valides, même mieux. Moi, je ne ferais pas un dixième de ce qu'ils font, donc je trouve ça quand même impressionnant de voir qu'ils arrivent à se débrouiller.